Dans la vie, il faut savoir rester classe en toutes circonstances. Quand t'as 3 grammes dans chaque bras, quand tu te fais virer, quand tu te fais virer parce que t'as 3 grammes dans chaque bras, quand t'as 3 grammes dans chaque bras parce que tu te fais virer, et quand tu te fais larguer. Et que t'as envie de te mettre 3 grammes dans chaque bras. Il m'a dit, faut qu'on parle. Bah, il veut peut-être te parler de la montée du FN en France. Oui, c'est ça. Et moi, quand je serai grande, j'aurai pas de cellulite. J'ai vraiment envie de tomber amoureux de toi. Mais vas-y, pourquoi tu te prives? J'y arrive pas. Du coup, je veux dire, c'est pas toi, c'est moi. Je suis bloqué. Et un doigt dans le cul, ça t'aiderait? Non, je te laisse payer, on est d'accord. Champagne! Je suis désolé, je t'aime beaucoup, mais je pense qu'on n'est pas d'accord sur ce qu'on attend. Mais qu'est-ce que t'en sais, tu m'as demandé? Non, mais c'est une question d'énergie. Ah, tu veux dire que moi j'en ai et toi t'en as pas? Je veux dire que toi, tu cherches un truc sérieux. Ah, mais pas du tout! Ah non, non, mais pas du tout! Moi je cherche un gros connard qui veut juste me sauter, ça tombe plutôt pas mal, non? Ça va? En couche. T'es une meuf géniale, t'as tout pour toi. Qu'est-ce que t'as pas compris dans accouche? Ah non, non, mais enfin, mais tu y es pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis trop blonde, je suis pas assez blonde. Ben non, mais t'es magnifique, ma chérie. Ça. Ça te la coupe, hein? Maman. Alors, t'as géré? Grave. Alors, j'ai été compréhensive, gentille, douce. Franchement, la grande classe. Bonjour. Dégage, je te fais un deuxième trou du cul. Bon, on se met une race ou bien?